Salut à tous, c'est Martin, je suis super heureux que je vous retrouve pour une live sur Resident Evil Village qui est sorti aujourd'hui. Du coup, on va faire le let's play en... Surtout pas ça non plus. Je fais comme ça parce que je suis une merde, voilà. Après, bien sûr, je ferai un hardcore, hein, faut pas abuser. Mais on commence notre aventure. Village des ombres. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. En vrai, je pense que l'histoire, c'est comme, elle raconte comme l'histoire du village. Plus on t'en donne, plus la tu dernière, en veux. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. C'est Mia. Elle a quand même changé, Mia. Pas des histoires moins flippantes. Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement... On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute. Oh, ça peut être juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Elle prépare le dîner qui s'appelle Soupoyer québécois, hein, on n'oublie pas. Je sais pas pourquoi y a le mot soupe dedans. Garde-toi, t'as juste ta fille avec ta une grosse tête. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Mais oui, mais même ta mère, c'est une putain d'infectée. Rien, je vais la coucher. Ouais. Pute. Ok, on calme. Hein. Oh, pas très vite, hein, si je te l'assure. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Ah vrai, maison magnifique. J'inspecte délicatement. On y est presque, ma puce. Oui, on y est presque, ma puce.
puce. Parce que c'est une puce. Poum, toum, 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 qui arrive. On a rasé la maison familiale. Putain de merde. La chambre familiale avec des jouets. Bien sûr, toujours le visage de Ethan caché. C'est moi la fille vomi, wesh. Wesh, arrête de vomir, frère. Arrête, frère. On va pas faire attendre ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Ouais, elle fait peur comme et quand voilà, elle t'a coupé la main. Ne t'inquiète pas. Ah, aussi, je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Et ma main, je voulais voir si ma main était intacte. Waouh! Waouh! Le mec il entre, il voit juste la meuf fichi. Moi on va descendre. Attends. Ok, non, en fait on va pas descendre, on va explorer. Tu veux exploser cette maison parce que je sais qu'on va pas être dans. Il va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Attends, c'est plus une chambre, c'est juste rendu Mia devenue encore vilaine qui a tout saccagé en fait. C'est comme. Bon. Oui. Je sais pas pourquoi je garde ça. Faudrait que je m'en débarrasse un de ces quatre. Non, garde-le, c'est très beau. Oh, un peu. Attends, j'entends des bruits. Ok, ça ramène là. En fait, j'essaie juste de trouver un moyen de durer le moment. Enfin, de faire durer le moment. Salut Mia Khalifa, ça va bien? Tu fais quoi à manger? Ça doit être bon. Sauf moi, ça a l'air de la bonne bouffe, et non la bouffe qu'il y avait dans les recettes qui avait l'air de. Mia fait tout elle-même, du coup ces trucs s'entassent. Voilà, et on aurait dit des trucs. Ça n'a pas l'air mauvais. Ouais, enfin, pour les enfants, sinon pour moi, parce que je mangerai jamais ça, tu sais. Parce que je sais même pas c'est quoi, du coup. Arrête de la crache dedans, wesh. Mais bon. Let's go. On va aller faire les scènes, parce que je vais pas faire durer ça plus longtemps. Allez, Mia, qu'est-ce que tu fais? Elle dort comme un bébé. Bah, c'en est un, merci. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Eh, bas les pâtes. C'est une ciorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes local. Vite, toi, on dirait. Local. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée... Mais par contre, la meuf, vraiment, elle a un accent bizarre. Genre, elle est comme ça, local. Par contre, Mia, vraiment, elle a changé depuis le 7 ans. Vraiment, le mec, ça... Regarde, elle a pas la même tête. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire. Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant,
Je suis sûre que sérieusement, tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas. Ouais. Tessia. Bruh. Mia, baisse-toi. Baisse-toi, Grosscom. Mia. Comment on peut survivre, la mort? C'est bombardé. Ta mère? Le tuer. Oh. Mais que tu es Mia? Chris? Redfield? What the fuck? Avance! Oh, ferme ta gueule, je vais te niquer ta mère. R.A.S. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Ouch. Sortez-le d'ici. Fuck, man. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça? Je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Tu tiens à moi, tu m'as déçu que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Ou arrête de frapper partout là. Mac chakala kalapuklak chakala. Vas-y, va. My little angel. Mon petit ange. Moi, je te jure, elle a une tête de cul, frère. Je sais pas si c'est la tête d'Ethan, mais en tout cas, si c'est la tête d'Ethan, mec. Comment te dire que Ethan est moche? Mais j'ai déjà vu sa tête. En vrai, il est beau. Enfin, un peu bijou, j'avoue. Pauvre Ethan. Putain. Pas trop tôt. Vous en êtes où? Vous avez le colis? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Quelqu'un de toi, hein. Le mec, il porte une lampe H24 sur lui. Ah ouais, stylé, hein. Moi, le mec, il est comme... cramé. Ok, non, il est pas cramé. Il est quand même énormément réactif, le personnage. Bon, par contre, marche un petit peu plus vite, là. On n'est pas là pour chercher.
J'ai peur. Vas-y, calme ou... Bien sûr, toujours la main gauche. Oh, j'ai hâte de jouer. Putain, j'ai eu peur. Oh putain. C'est quoi cette merde? J'arrête de faire des bruits, mec, y'a des lycans partout. Hein. Calme-toi, wesh. Putain, ça fait peur. Oh frère, il y a quelqu'un là. Comme d'habitude. Hey, Cordis. Il peut avoir un lichen ou un truc bin à tout moment. Oh putain. No, please, no. Salut, mère Miranda. Putain, que j'ai peur. Non. Non, 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 non. J'ai la peur de sa vie. Il fait nuit maintenant, il fait clair total. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Je crois que j'ai fait bouffer quoi.
C'est si simple à comprendre, mon pote. Ok, je peux courir. Du coup, ça annonce un mauvais truc. Pour l'instant, ça commence bien. Vais-je l'adorer? Vais-je le détester? Vais-je... Où est-ce que je suis? Le terminer? Vais-je le... Pas du tout le terminer? C'est ce qu'on va savoir. Faut que je me suicide? Ok, non. Je pensais qu'il fallait que je me suicide. Parce que je croyais qu'il y avait du vide. Bon, là, on est dans le village. Fait que du coup, il n'y a pas... Ouais. Oh, le pauvre petit cheval. Ah, par contre, j'ai un œil blanc. En fait, je me tire, frère. Peut-être qu'ils sont sortis. Ça fait peur. Ouais. Bitch, Corvette. Qu'est-ce qu'il faut que je foute en fait? Don't not enter. Peut-être t'es en train de me dire qu'il faut pas que j'entre. En vrai, ça fait grave flipper. En vrai, avec la maison et tout, ça faisait pas du tout flipper, mais maintenant, oui. Genre avec le bébé et la maison, je trouvais ça donnait genre comme stylé au jeu. Et pas du tout, ça faisait peur, mais maintenant, mec, ça prend une tournure plus énormément horreur. Et ça fait crissement peur en fait. Oh, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon cul. Je m'enferme dans les chiottes. Oh, j'ai un couteau de nougat. Oh, un remède de premiers soins. Mais c'est trop bien. Ferme ta gueule. Mon petit couteau, je ne vais tuer aucun zombie, ça c'est sûr. Là, il va avoir le mec avec qui va me donner un truc là. Salut, ça va bien? Ah, non, du calme. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Une seconde, désolé d'interrompre, je reviens tout de suite dans 10 secondes. Voilà. Désolé. Ah,
Mec, c'est quoi c'est... Ça bouge, wesh. Oh non. Ils arrivent. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Mais non, pourquoi? C'est tout ce qui me reste. Prenez-le. Prenez-le. Merci. C'est accueillant au moins. On a affaire. Hé, vous arriverez pas? Ah, bon. Ouais. Ouch, man. Putain! Puis là, moi, je vais descendre. Voilà. Oh, putain. Un cadavre. Il ne fallait pas un... Il y en a d'autres. Une quinzaine. Sans doute, je m'appelle. T'as baron. Oh, la vache. Oh, merde, je ne voulais pas qu'il meure. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Oh, putain. Oh, putain, oh, putain, oh, putain, oh, putain. Oh, putain. Ah, ouch. Ow, bitch! Ow! 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 Ouch! 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 Ça devient mal! Ouch! C'est quoi, bordel? Ouch! Bah, c'est un putain de camp! Ouch! Ow! Wow! Aïe aïe aïe. Ouch, putain de merde, ça doit faire mal. Quand je dis mal, mec, ça c'est vrai que ça doit. C'est quoi ce bord? Del. J'avoue, Ethan, là, sur ce coup, bah, pauvre toi, quoi, parce que tu viens de te faire bouffer la petite main. Je te dirais que ça fait pas très du bien, t'sais. Merci pour un remède de plus. Ça m'a fait un autre remède. Ok, en plus, le remède, c'est pas genre ok, non, c'est... Ok. Comprendo, I have comprendo, maldito. Ok, il faut aller là. Oh, sa mère. Ouais, j'ai pas vraiment grand chose. Est-ce qu'on pourrait faire la nuggetine? Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on foute? Faut que je fasse, je ne sais plus. Peut-être qu'il faut juste que je rentre dans la maison. Ah, ben oui, il y avait un coupe-ballon ici. Là, il y a moi dans ça. Ding.
coup blanc, il prend pas de place. Par contre, ça c'est le fun, tu vois. Non. Non, Biquette. Vas-y, faut que je rentre. C'est la Nougatine. Oh putain. Oh putain. Ça y est, c'est fini. Hey, s'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants ? Shoot. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas. Cette main est dégueulasse. Le gars, depuis quand il a pas mal? Combien de balles? Aïe. En vrai, ça servait à rien de faire ça. Et merde. Je me mets dans le coin comme ça là. Oh là, je suis bon. Thank you.
Oh, j'arrive pas à y croire. Je crois que je vais crever. Oh non. En plus, moi ouais, t'as pas raison, mon Ethan. Putain de merde, ça. Ouch. Ah putain, ils font mal. Ouch. Avant t'as commencé juste un mot. T'as juste pas voulu me rejoindre parce que tu voulais pas faire le jeu en partage. Pas du tout. Non. Bah parce que j'ai. Attends. Oh. Putain, oh. Ah, le... Au. Je sais pas si je vais y arriver au couteau, hein. Oh putain de merde. Yeah.
chaque fois quand même. C'est magnifique. Oh mais c'est normal, ça, ça tremblait, il y avait un gros port. La Heisenberg. Ouch. Ow. Ok, le gars il se fait un bandage en 2 minutes. Ok. Ah, salut vieille dame, binou chose, pas tendre, pas belle. Conne folle. Ok, bah là j'ai plus de balles. Je vais me trimballer au couteau. Oh, pas le choix. Bienvenue en enfer. Salut vieille dame, binou chose, pas tendre, qui est pas belle. Moi je pense ça parce que j'ai pas envie de l'entendre. Chercher Rose. Ah, ferme ta gueule. S'il vous plaît. Au lican. Bah, il me reste un truc. Attends, je vais juste le ranger comme ça. Ok, j'ai 510 delay. Bien sûr, dans Resident Evil 4, ça s'appelle des pétasses. Bien sûr, je suis dans le trou du cul du monde. Oh putain, je pensais que c'est Lady Link Rescue. Blasphémateur, ça se dit pas comme mec. Ok, il faut ouvrir la crise de grosse porte. Je sais quoi faire, mais juste avant, je vais chercher des balles. Que je suis pas un fou malade mental qui se trimballe partout sans balle. Ça rime. Mais qu'est-ce que tu fous? De quoi? Ben quoi, quoi? Ben tu fais quoi? Ben je joue à RE8. Tu m'as même pas attendu. What the fuck? Ah, ok, non, ok, non, non, mais je t'ai dit, j'en ai marre. Ok. Je suis désolé, regarde, je m'excuse bien fort. Je suis vraiment frangin. Je m'excuse, mais j'en ai marre de plaire aux gens, puis je veux faire ce que je veux. Mais t'as aucun fucking rapport. Non, je suis ta main. Mais c'est pas facile rien. Oh, tu dis que tu fais toujours plaire aux uns. Mais y a quoi de mal? Bah c'est comme plaire de pas faire ce que tu veux pas. Mais parce qu'il y a rien de mal à faire que les gens soient heureux. Tu sais que c'est la grosse chienne parce que j'ai pas pu avoir le jeu. Puis toi tu dis, mais c'est parce que en plus tu fais même pas ton live. Bah oui. Je suis en plein live. J'aurais pas joué dans le vide pour rien. J'aurais pas fait de live, je te l'aurais fait, c'est sûr. Ok, merci Ariel de me laisser tout seul. Franchement, très cool. Bah, je m'en fous pas mal en vrai. Je suis chiante là. Comprenez-la, elle est chiante. Parce qu'elle a pas eu son jeu, du coup, elle est comme. Mais j'aime pas ça, je suis de la merde. Ben oui, mais rien, c'est mon problème, ma petite colisse. C'est comme, y'en a combien, là?
peau de noir. Si je manquais encore un petit truc comme ça, je vais aller doucement accroupi. Parfait, il manquerait juste un petit peu de truc. Gars, je vous ai dit, est toujours forcé à cause de moi, parce que je fais juste un truc que je veux faire. Je l'ai dit en plus à par rapport. T'es vraiment chiante. Non mais t'es chiante. Putain, j'ai des amis de merde en vrai. Parce qu'à chaque fois que je dis ouais j'ai envie de faire ce que j'aime bien et tout, eux ils commencent à me chialer genre dans le vide juste parce que j'ai envie de faire ce que j'aime. Non mais va chier en fait. Faut toujours que je plaie aux gens puis ça me fait chier. Je me renferme sur moi pour rien juste parce que je veux faire plaisir aux gens. Ouais je suis ce que je veux suivre, festif. Pas m'empêcher de faire ce que je veux. Bon, le truc, c'est normal, mais... Ouais, tu sais, ça se fait pas. Enfin, je trouve. Je suis sûr que Louis... On va passer à cinématique là, on l'a déjà vu dans... Oh putain, on l'a déjà vu dans la démo. Attends, est-ce que je peux me faire des crafts? Pas du tout. Mais je pourrais bientôt me faire... Il manque juste une petite ferraille. En vrai, ça va... Il manque un petit ferraille. Oh, on est bien. Suivez-moi. Ok, j'ai surtout mis ton flingue à côté de ta tête. Mon flingue, en fait. Mon flingue à côté de ta tête. Venez, les autres nous attendent. Ok. Ça, il s'enlève. Il n'y a rien. C'est du pick-up, man. Merde! Ah, le feu gagne du temps. On a bien sûr déjà vu toutes les cinématiques. Je me traballe encore le couteau. Merci, Ethan. C'est gentil. C'est gentil. Non, en vrai, pistolet. Je comprends pas. Moi non plus. Le gars en plus il frappe avec sa main qui est blessée. Oh fou! Oh ça c'est plus que de con. Je traite pas de con mais c'est genre tu comme aggraver ta blessure. Après je dis ça comme ça, hein. Tu fais ce que tu veux. Mais bon. À ta place, il aurait quand même suivi mes conseils. Comme ça tu serais pas empiré de la main. Genre limite quand même fucking mal.
Salut la vieille folle, ça va-tu bien les choses? La mort. Ta gueule. Oui. La mort leur a tous rendu visite. J'imagine que ça mène au château. Rien d'autre que le sang et la mort. Hein? Ouais, chose bien. En tout cas, c'est un très mauvais accueil pour rentrer dans un château. Même extrêmement mauvais. C'est verrouillé depuis l'autre côté, il n'y a rien. Ok, normalement, là, il y a un Heisenberg qui va me rapporter. Voilà. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Je me suis Heisenberg. Mère Miranda va t'adorer. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si je confie ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles et Donc, en gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme souffrira. Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. Bla, bla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça. Continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Licant et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as dans le ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Non. 2 1. Ah, putain de merde! C'est ça. Cours pour ta vie. Ah! Là! C'est très bien, Ethan. Il va venir de là, en gros. Stop!
C'est bien matériellement tu peux pas ça. Toujours en vie. Impressionnant. Barges qui ont rose. Oui. J'ai des cartouches ou pas? Ok, non, j'ai des balles. Oh putain, et oh. Si je serais Ethan, je me suicide. Non, en vrai, faut pas abuser. Ok, ça vient de là. Ben là, t'aurais dû me le dire, man. Pourquoi c'est quoi, c'est la vie courte de merde? Revenu au village. Ça donne la flépouille et la ratatouille. Salut le duc. Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Oh, je dois toi. Bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici? Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Ouais, c'est pas vraiment une maison, cette merde-là. Mais... Allez-y, n'hésitez pas. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. Le bazar. Oh. Putain. Merci beaucoup, frérot. Excellent. Nice you. Bon, maintenant je peux m'acheter des petits trucs. Je crois que je vais améliorer mes guns. Je peux pas. Malgré. Bah putain. En vrai, c'est ce que je peux. Ok, non, je vais pas niquer mes balles quand même. Ce serait dommage. Ok, tu peux carrément vendre des putains de guns. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de... Merci de votre visite. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oh ben, il m'enlève une place. Une place est toujours importante. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Oh non, toi t'es vraiment... Je t'aime pas trop, tu vois. Mais comme t'es... Merci pour le gun ultra puissant. Ça fait du bien.
Bon, du coup, j'ai une très bonne avec ce gun hyper puissant. Enfin, normalement, il est très puissant. Allez, goûte à la nougat. Est-ce que Rose est ici? Sûrement. Merci pour la poudre. Alors, non. Inventaire. Ici, j'ai un flux chimique. Ici, j'ai de la poudre. Ok, on s'en fout. Je pourrais peut-être monter là avec la petite nougat. Non, en vrai. Ok, il faudrait qu'il se passe un truc. Me faire un remède parce que j'ai besoin de remède, pas du tout en fait. J'en ai un, bah deux, ça se refuse pas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut foutre? Tu oh non. Tu cherches Rose? Ouch. Toujours le côté gauche, bien sûr. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Ethan Winters. Salut, Lady Mitrescu. Wow, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Il commence à perdre de sa salaire. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturé. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Arrêtez, je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. Ouch, man. Ah!
balle de merde qui doit faire mal. Vert carmin. Quel... un truc de malade mental, ok. Pour vaincre Crochet, on peut pas. Ok, il faut faire 40 000 tours. Let's go. En vrai, je trouve que quand genre tu peux comme grimper et tout, je trouve que le jeu ça fait plus réaliste. J'ai comme trois fruits chimiques, c'est ça. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Comme nous nous retrouvons. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Vous voulez acheter quelque chose? Non. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, comme on dit. Très bien, j'achète. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. En vrai. Merci pour cet achat. J'étais sûr que vous achèteriez cela. En vrai, trop bien. Trop bien. Je sais pas, en vrai. Ouais. Puis, en vrai, les munitions de sniper, je vais les garder pour plus tard. J'ai envie de... Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Oh, ouais. Je sais pas que c'était si palpitant. Ah ouais, reçu. Merci de votre visite. J'ai beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Naturellement. Je sais pas si je lui vends 6 balles.
Ah. Maintenant, j'ai perdu 6 balles. Voilà. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Vous cherchez quelque chose en particulier? Non. En vrai, maintenant. Je crois que je vais améliorer les trucs. C'est un jeu d'économie. Je sais pas. Non, vas-y, j'ai assez de loot de toute façon. Hein. Soyez prudent. Non, après j'aime pas. Non, ça va, c'est pas là. C'est juste ici. Là, je crois. Non, l'aéroport. Non, ici. Il y avait pas un truc pouvant être crocheté. Vas-y, on s'en bat les couilles. On va juste monter. Oh, calme-toi, arrête de faire des bruits bizarres là. Oh, j'ai peur, mec. Arrête, je te dis. Moi, je découvre, frère. Trois sont les. Wow. Wow. Mais non. Mais non, c'est impossible. The fuck, man. Vas-y, je reviens, ok. Je reviens. Putain. Je reviens tout de suite. Ah oui, je vais juste brancher ma manette. Voilà, je reviens. Aujourd'hui j'avais assez hâte là. Un matin j'étais ouais vraiment c'était vraiment correct. Je suis assez content. Je fais peur. Ah t'es content, je crois.
I'm here. En vrai, je crois que le vendeur, bah le duc, je crois qu'il aurait dû dire comme entrée Welcome Stranger. En vrai, ça aurait été comme Bloosley. Sérieusement. Il faut un truc ici. Une bouteille ornée de fleurs. On se demande bien c'est quoi. De son lait. Ok. Ok. Faut du ok. Lui, il faut du flux chimique. Puis de la ferraille. Il manque un peu de ferraille. Après, en vrai, je pense que les balles de pompe sont importantes quand même. Même si j'ai un putain de pistolet qui fait max dégâts. Mais bon, on avance. Délai. En vrai, quand je vais avoir du mix, je vais prendre une manette plus grande. Une manette, une mallette. Non. Vas-y, bon. Ouh, nice. Ça fait longtemps que j'ai pas tué un homme. Ah, moi ça fait longtemps que j'ai pas tué une femme dans un jeu d'horreur. Et regardez, capturé mort ou vif, tu préfères quoi? Toshi. Oh là, ça je vois bien. En quoi tu décoreras ta mère? Lol. Vas-y, là, j'ai pas peur des liquins, un peu quand même. Lucas, on me voit pas en fait. Oh, attends, je crois qu'il y avait un truc en haut. Il y a pas un verre carmin? Non, il y a rien. Ah, bah il y avait quand même des balles. Par contre, là, je suis comme blindé en balles. Ouais, pas mal blindé, oui. Si j'ai 100 balles, mon gars. Ouh. Ça va être lourd, mon pote. Let's go. Tun, 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 tun. Je crois qu'il y a rien ici. Non, il y a rien. Enfin, je crois. Oh non, il y a rien. Ça me fait toujours aussi flipper, puis je l'ai fait comme... J'ai vu ça 4 fois. Avec la démo. Je crois que j'ai le temps de me faire un 180 ferraille. Retourner, ok. Il manque une ferraille. Ça sert à quoi en fait les pièces d'attaque? Ça sert pas mal à fucking rien.
Je croyais qu'il était fort, ce pistolet. Bah au feu, il est quand même un peu nul. Collier Ginger. Salut. J'ai eu beaucoup de l'œil. Bah, il va falloir que je batte l'autre là, la pute. Salut. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Ouais, mais dommage pour toi parce qu'elle m'a pas tué. Je m'en fous de toi, je m'en fous de toi. Le sang est plus sucré, on me fait jaillir d'une croix. Oh merde, non. Et ça vient pas. Tu es au menu de ce soir. Ok. Oh, calme-toi, frère. Je ne te pardonnerai jamais, espèce d'ordure. Comment oses-tu t'attaquer à nous? Voilà, te connais. Ah, elle est déjà morte. Attends. On peut dire que j'ai défoncé. On peut dire que je le défonce. C'est quoi cette merde? Ah oui, c'est la bouteille. Sang du Virginie. Ferraille, tu vas pouvoir me faire kick, tu balles de pompe. C'est important. Après, j'en ai fait un peu trop. On s'en branle. Je vais avoir plein de balles de pompe maintenant. Ah merde. Ok. Parfait, j'ai toujours plein de balles de pistolet. Hein. Ça n'arrête pas. Ouh. Compositeur recule l'ennemi. Perfect. Armurier. Attends, j'espère tellement pas défoncer mon crochet pour rien. Please. Enjambe. Putain, ça sert à rien. Ah, peut-être que je vais pouvoir le vendre. Je sais jamais. Putain, si ça c'est pas stylé. Bah ouais, il servira à rien. Poudre noire. Plein de poudre noire. Il n'y a pas un verre karma. Ok.
En vrai, là, je pense que je vais pouvoir me faire plein de lait. Ok, non, on peut pas prendre le verre carmine. Non. En vrai, ok. Oh non, c'est vrai, c'est pas là. C'est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Un passage secret. Clé de la cour. Je vais aller à la cour. Waouh, quel truc de malade. Wesh, mon père, il va à la pêche, tu sais. Mec, ça sent son sou de ciré. Putain, ça sent le... Voilà, ça sent pas... C'est un peu ouf, quoi. Enfin, voilà, c'est normal, quand même. On peut pas dire que c'est pas normal. Je te fais visiter. Oh, putain. Je l'aime pas, cette meuf. Oh, calme-toi, moi, je me tire au duc, frère. Il est où, le duc? Il est là, du con. Du con. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. À votre service. Ah, vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Déçu, putain, j'ai plein de lait, mon pote. Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. Est-ce que j'améliore mes armes ou que j'ai j'achète de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. En vrai, je pense. Un voilà. De mes articles les plus populaires. Plus grande valise, mais je vais quand même améliorer mon petit fusil à pompe. Je suis plus habile voilà. De mes mains qu'on pourrait le croire. Oh, ouais. C'est si palpitant. Je sais pas. Cartouche de fusil. Ok, non, ok, non. Bon, ben... Parfait, j'ai pu m'acheter plein de trucs. En fait, juste plus. Oh putain, il y a quelqu'un qui disait plus grande et elle est vraiment plus grande. Ok, ça nie les épaules, c'est. Ah, merci. Ben là. T'as dû me dire. À votre visite. De rien. Attends, je vais juste. So. Attends-moi. Faut que j'aille là-bas. Puis je sais qu'il va avoir la meuf. Let's go. C'est moi comme par hasard et pas là. Clé de la cour. Cartouche. Oh putain, mais il y avait là les Dimitrescu.
Bon, je sais comme ça, mais c'est moi ou je vais juste me faire niquer. Par contre, c'est bizarre, on me voit pas. C'est comme impossible que tu vois pas un humain qui comment dire, qui comme il gémit. C'est impossible de pas entendre un mec qui gémit, quoi. C'est comme impossible. Ok, j'ai un petit peu de lait. Oh putain. Ok. Rien, que non, y'a rien. Je fais ce que je pense. Après, je sais pas si ça va marcher. Oh non, non, non. Retourne. Retourne, chose bien. Bon. Maintenant, on peut l'enlever. Bon, ben, j'ai eu bien. Voilà, tremblement de terre pour une ouverture de porte. Waouh, ça veut dire que l'ouverture est très grosse. Ça, c'est glauque. Ok, il y a vraiment une mer. Enfin. Ah putain! Mer de sang. Bon, surtout que ça n'a pas de sens. Je vais quand même, par mes réflexions, me défendre au pont. Faut vraiment qu'on passe par là. Il se lève pas. Ils m'ont fait une blague, genre, ouais, il se lève pas, mais en fait, genre, il va m'attraper. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va lui pas mal faire. Toujours regarder devant soi. J'ai peur. Oh, oh man, j'ai peur. Oh mon dieu, j'ai peur. J'ai eu peur de sa mère.
Non. Il est mort quoi, qui dit ouais, qui dit ouais, il est mort. J'ai peur, je me mords la langue tellement fort, frère. Ah, fuck. Pas trop vite. Lentement, mais sûrement. Plus jamais. Mec, on a facile 5. Ouais, je les attends. En vrai, ça fait crissement peur. Peut-être que je prenne maintenant des putains de balles de trucs là. Ouais, j'avoue, ce serait pas pire. On est sur le balcon, frère. On est là ou pas? Ok, non, ferme ta gueule. Ici la petite save room. Millet. Là, je sauvegarde. Ah putain, j'adore ce jeu. Enfin, ouais, je dis ça, mais j'ai même pas fini. Mais pour l'instant. Un jeu très bien, très somptueux, très bien fait, très réaliste. Salut, dame qui ne me voit pas alors qu'elle est à 2 cm de moi et qui se pose de me voir. Elle est aveugle, je crois. Elle n'a pas de sens. Voilà. Mère Miranda l'appelle. Mère Miranda. J'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Heisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes... Hein? Ok, j'arrive dans 20 minutes. Ouais, quand maman arrive, ok? Quand maman arrive. Fille, ouais. Quand je le trouverai,
Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh, diable, cette cérémonie! Cet homme même va le payer meuble, pour tout ce qu'il a fait. Elle l'a soulevé en deux-deux, le mec. Moi, perso, je ferai jamais ça. Excuse-moi, impossible, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, je fais ce que tu veux, meuf. Ouais, ouais, meuf. C'est plus une meuf. Rendu là. Où es-tu? Rose, where are you? Attends-tu, fils de pute? Quel an. Ouais, t'as bien besoin d'un verre, même plus, quoi. Y'a pas une clé quelque part, normalement? Enfin, je dis ça comme ça, là. Chaque fois qu'elle ouvre une porte, elle se ferme complètement derrière elle. Ok, il a la clé, putain. Bon, j'ai rien oublié. Ok, c'est pas. Je peux partir. Nice. Oh, oh putain. Te voilà. Oh fuck. Mais va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en. Qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous voulez? Espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... Ouch. Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient! Ouch. Comment oses-tu? Par contre, c'est sûr que moi je meurs, hein. C'est sûr. Profite c'est de sûr, cet instant de répit, mourir, hein. Parce que je vais te traquer! Et je vais te détruire! Bon, je disais... C'est ça, et c'est toujours... Bon, je disais... par contre, moi, si je survis à cette chute, c'est un miracle. Parce que normalement, cette distance, je pense que je meurs, tu vois, automatiquement. Mais bon, c'est un imiteur, il est extrêmement résistant, je vais chercher pourquoi. Bon, on va avoir encore des putains de trucs de merde, là, des trucs bin. Pas tant de choses. Delay, toujours plus de delay. Fuck, man. Comme si j'allais te laisser filer. Et maintenant, bien sûr, c'est la main droite. En morceaux. Bon, ben au moins pour une fois, c'est la main droite. Revoir cet enfant. On m'a coupé la main. Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitrescu. Oh. Ok. Faut que je la bute. Faites pas. Bah oui, mais encore un autre mec, putain. Oh merde. Ouvre, ouvre. Oh putain. Mais putain, elle est où c'est... Elle est où?
pas mourir. Un rat ne peut échapper aux griffes du dragon. Ne te mènera nulle part. Ouch. Le gars, il sort même pas un ow. Bon, c'est un... Oh, il a fait le même truc que dans le set. Putain, oh. Mais comment tu fais pour recoller une main avec un... peut-être remède. C'est ça quoi faire. Je ne vois pas l'intérêt, poteau. Oui, je stream. Après, je vais aller manger parce que. C'est bon, je me casse d'ici. Oui, tu devrais peut-être. Oh non, puis en plus, il y a des trucs bien. Les putains de trucs bien de. J'aime pas les trucs bien. Les licans, ouais. Ouais, ferme-la, petit truc bien. Pas tant de choses, ok, ouais. Putain, oh, calmez-vous là. Ouais, lève-toi, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, viens. Non, je t'attends, t'inquiète pas, je t'attends. Tu veux monter où? C'est quand je peux me faire un peu de balles, de pistolet, parce que là je commence à gravement manquer. Bon, après je m'en achète, parce que de toute façon il manque de ferraille. Moi je peux piquer cette liste, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est très bien. Ouais. Je vais regarder de l'autre côté. Encore. Une fois. C'est moi, je viens de passer là. Non, non, papa m'a fait chauffer. Non, ça me dérange pas, papa. Bah, je vais attendre maman pareil. Hein? Ouais, je sais pas. Ça va bien? Je crois que tu es tombé sur le mauvais Ethan.
si je peux me permettre. Lol. Non, c'est plus important. Boule, fleur et épée. Je crois que c'est un peu pour plus tard. Après, tu me diras, qu'est-ce qu'il faut foutre ici, là? Faut sûrement se barrer. En bas! Des leilles. Pff, j'ai quasiment 10 000 leilles. Avec les trucs que je vais vendre en plus, putain. Là, c'est un truc de notes. Bah, je sais un peu quoi faire. Puisque je vais fouiller. Voilà, parce que j'ai envie de fouiller. J'aurais pu manquer plein de trucs. Bon, on va aller ouvrir la porte ici. Mais je vais pas y aller. Je vais aller bouffer, je reviens avec eux. À toutes dans 10 minutes ou dans 15, je reviens. Il y a quelques heures, là. Par contre, il y a un peu. Oui. Ah, là, ta gueule, elle est au-dessus.
Thank you.
Ah putain de merde. Ah mais j'ai étouffé avec du lait au chocolat. C'est correct. Désolé les gars, je suis étouffé avec du lait. Ah putain de merde. Ah, j'ai le Covid frère. Bon j'ai failli l'avoir. On va pas se mentir. Bah ça fait rien. Ok, ok, ok. Ok. Oh putain. Tu vois, te voilà. Pauvre conne. Va chier. Ah putain. Ce que je sais, c'est que je sais pas quoi faire. Je voudrais que je descende en bas. Ah putain, viens ici. Ah mais ça complique en fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Quoi, t'es très lent, hein. Je crois qu'il est plus lent que le tyran, limite. Allez, allez, allez. Oh, putain. Tu te décides enfin à venir me voir. Personne ne me résiste. Ça marche pas! Putain, mais. Ouais, je vois air ici. T'as surtout l'avocat. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas mourir. Tu veux pas, mais tu... Bah tu vas crever en fait. Ras le bol des insectes. Bah moi aussi mon petit homme.
T'as cru quoi, toi? Et qu'il y a des balles là. Bah, y a plus rien, je crois. Oh, attends une seconde. T'es bien loot? Ok, d'accord. Une seconde. Ouais, je vais aller dans lui en premier. Waouh, que ça sert à rien. Cassandra, viens ici tout de suite. Assez joué. Je veux la tête de cet homme. Allez, va! D'accord, mère. Heureux de vous voir sain et sauf. Comment ça s'est passé? Aucun signe de Rose. Oh, vous m'en voyez fort désolé. Bah, vous retrouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose? Le mec, il fait toujours genre... Grâce à votre soutien sans faille, je propose en fait, de nouveaux services. Est-ce que tu veux aussi ferme ta gueule, en fait? Bon, je vais sauvegarder. Voilà. Après, je vais maintenant quitter. Parce que j'ai flemme. Voilà. Juste pour un truc. Voilà.
Castle and Dimitri Rescue. Mais je trouve qu'on a moins de points de sauvegarde que dans les autres Resident Evil. Après, c'est ce que je dis. Bienvenue. Hein, bienvenue, oui, oui. Voilà, je vais prendre tous mes lives, frère. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Non. Est-ce que tu veux d'autre chose avant que je te bute? Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Puis-je prendre le pont, frère? Avec plaisir. Ah ouais, hein. Ah ouais, puis je vais prendre ça, voilà, comme ça, on est bien tout amélioré à fond. Cadence de tir. Ok, je peux l'améliorer. Bah je ouais. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Oh ouais. Merci pour cet achat. Et ferme ta gueule. Merci beaucoup. Merci de votre visite. De rien, sale merde. Bitch, my ghost. Crâne cramoisi. Ah, oui, oui. Merci pour mes leilles. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer. Bah oui, bah oui. Ne faites pas attention à moi. Capacité. Ça, en vrai, j'en ai pas besoin. Rechargement. Mm-hmm. Ça peut pas être pire que ça. Ah, putain. Vas-y, je pense que je vais bientôt avoir les trucs. J'étais de... J'étais sûr que comme... vous achèteriez ça. Cela. Fait que je vais... m'acheter quelques cartouches de pompe. Ah. Voilà. Voilà, maintenant j'ai plus aucun lait. Je vous souhaite de faire bonne route. Voilà, je me suis fait quelques balles de sniff. Sniff peur. Ok, non, ok, non. Sniff peur. Sniff peur. Non, sniff peur. Oui, en fait, tu sniffes la peur. ben voilà. Il y a encore l'autre Dimitri Rescue là. Non. Ferme la porte, please. Si. Salut, Biquette.
Ouais, faire une grosse biquette. The fuck, man. On peut, ok, en plus ça se mange aucune balle. Ok, en plus ça se bat, on tire dessus, ça bat. Quoi, t'as peur? Essaie de m'ouvrir l'appétit, oh, c'est ça? En fait, je me demande juste comment je vais l'avoir. Parce qu'en fait, peut-être que j'aille là-bas. Mais il faut que je sorte d'ici, en fait. Attends, j'ai... Je crois que j'ai trouvé... Je vais aller chercher une solution. Oui, je suis une merde. T'as un problème? Je vais aller voir un truc tout de suite. Resident. Père modèle. Je sais pas où aller et je vais voir ça tout de suite. Pou kakaku. Pou pou ra kakaku. Il
Démasqué, man. I am a démasqué, bitch. Comment qu'il a fait ce mec en fait? Ok, lui il vole, je sais même plus comment il allait en fait. Ok. Bon, je vois comment qu'il faut faire. Attends, je vais voir comment qu'il a fait pour aller là. Ah ouais, oui, mais lui. J'ai bu la meuf. Ok, bah, tu sais quoi, je vais essayer de checker. Je t'ai fait attendre. Goodbye. Je suis le vantard, meuf. Je suis là. Salut. Ok, tu t'en fous de moi? Non. Je suis vraiment dans la merde.
Je pourrais jamais y aller. En vrai, j'essaie juste de me faire leur chemin. Comment je vais faire pour monter là-bas? Ok, je sais où il fallait. Alors je fous que tu ailles, mon pote. Moi j'y vais. Ah, oh putain. Espèce d'intrus répugnant. Laisse-moi passer, frère. Laisse-moi passer, frère. Bon, je passe. Impressionnant quand je, comment je passe entre eux, mon pote. Pouloulou. Ok, non, c'est là-bas. Ouais, je crois. Je crois que c'est bien là. Que je tire sur la...
à une cloche. Il y en a deux. Seconde. Cinq cloches, on va tester avec le couteau, je pourrais une pièce qui dévale. Non, rien à voir avec le tableau. Peut-être ici, bah voilà, il y en a une qui est passée. Voilà. Ouais. Bon, ça va peut-être ouvrir des pièces. Hein. C'est parti. Première cloche. Bah oui. Parfait. Wow. Trop. On va me choper la tête. Une seconde. J'ai fait place par l'intrigue. Intrigue. Mm.
engrenage. Oh non. J'ai 4 poudres noires, 2 trucs, 2, 1 truc, chéché. Ok, fiu. Ah, j'ai 2 crochets, trop bien. Un sniper. Ok, j'ai 8 balles de mon sniper. Je crois que je vais en avoir beaucoup besoin. Je vais l'utiliser maintenant tout de suite. Ne pas gaspiller ses balles. Conseil de Robert le planton. Yes sir, biche. Bitch, Corvette. Appelle ma femme de la guette. Ben voilà. Allez. Et toi, tu vas sûrement peut-être crever, hein. Oh, calme-toi, je te dis. Oh, tu te calmes, frère. T'es moche. Et ça donne 1200 layers. Oh, pute. Oh. Oh, Dieu. Tu es encore en vie? Petit fils de macala cachelacala. Non, j'ai combien de balles? Je n'ai presque plus de balles. Ben, je suis chevalier noir. Ah, puis. Ok, il est là. Ça donne beaucoup de lait, cette merde. Par contre, la musique elle me casse. Elle me casse les couilles, elle est trop forte. Wesh. Attends, je la baisse un peu. Voilà. Bon, elle est quand même forte, mais un peu moins. Tu
gagner un de ferraille. Ah, le mec il est chaud quand même, hein. Il fait à 3 doigts. Masque de la couleur. Bon ben il me reste un masque à prendre. Let's go, on descend. Pop quoi, pop it, qui n'a quatre mille lèvres. Je devrais peut-être aller mâcher les balles. Il faut que j'en manque énormément. Hein. Je vais aller m'en faire. Stupide mortel, tu as beau courir, tu es condamné. Goodbye, my friends. La meuf, elle s'est retournée, mon pote. Poulou. Bon, après ce qui est genre, il a fait tout ce passage. Il fait quoi? Désolé de faire attendre.
Bah, je vois ce qu'il faut faire en fait. C'est tout con et facile. Ça que mange libre une fois. Bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Oui, t'as sûrement quelque chose pour moi. Vous voulez acheter quelque chose? Ben ouais, je peux pas. Je fais un coup d'œil à mes derniers articles. C'est parfait. Bon, en fait, je viens d'acheter un coup d'œil à mes derniers articles. Merci pour cet achat. Je crois que c'est correct, non? Bonne journée. Bienvenue, Ethan. J'ai acheté des balles pour rien. Il veut avoir des balles. Je vois. Autre chose? Revenez quand vous voulez. Allez-y, n'hésitez pas à acheter un œil. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. Hein? À la prochaine fois. Bon, je vois ce qu'il faut faire. Faut monter à l'étage là-bas. Ok, je sais comment il faut faire. Je vais aller mettre ma petite tête. Ok, elle est là. Salut. Oh, ça fait... Oh, ok, non, passe au calme. Cette fois, c'est la fin, Ethan Winters.
J'avais peur que mes sœurs ne t'aient trouvé avant moi. J'accrocherai ta tête à mon mur. Merde de grand, mais je pense que tu es vite. Le putain. Qu'est-ce que ça fait? La chasse s'est cachée à cause de toi. C'est ordure. Tu n'échapperas pas. Tu es ma choix. Ah, je sais pas comment. Foutue sorcière. Troisième crochet. Bûche. Mais oui, c'est clair. Ok, ça devrait me permettre de sortir d'ici.
pense pouvoir faire disparaître la lignée des Dimitrescu? Un avorton comme toi? Vous voulez acheter quelque chose? Non. Merci de votre visite. J'ai rien acheté en plus. De merde, ça vient d'où? Après une réflexion, j'ai décidé de le jeter. Attends, une seconde. Je sais qu'il va avoir Madame Dimitrescu. Parce que j'ai vu que quand tu prends la dague, il y a Madame Dimitrescu qui vient derrière toi. Bon, du coup, on se prépare. Let's go. Tu as tout gâché!
tu vas le payer de ta vie. Bon, on m'a pas, mais je vais défoncer. Je vais attendre le bon moment pour lui faire exploser ça. À la gueule. Parle pour toi, ma grande. Ah putain, j'ai utilisé ma bombe dans le vide.
Et j'ai plus de balles, le pistolet. Bon, moi j'ai 100 delay, mais je crois pas que je peux. Ah, oh, bah c'est le gant qui va faire comment je mets la tête de Rose dedans. Oh, je peux enfin quitter cet endroit. Oui. Je peux pas faire de putain de balle. Bon, on continue un peu. Oh putain, vraiment ce jeu est réaliste parce que c'est la première fois que je tire dans un truc que ça marche. Demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, gloire à Mère Miranda. Hé, hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi cette connerie du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, hey, revenez!
Enfin. Lui foutu des balles dans le cul. Il y a de duc. Vous voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça servit à rien. Vraiment? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Et... Putain, fermez-la! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison. Après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Putain de guignol. Oh oui. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. J'ai vraiment besoin de putain de balles. Dame Dimitrescu, belle même dans la mort. Ce tour de taille, oui.
Quelques bricoles. Je vois. Vous avez assez de puissance de feu? Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Manger, c'est vivre. Je suis crevé du résultat de ce que tu as en main maintenant. Vous allez faire un mal avec ça. Non, je vais pas faire de conneries. Puis je vais Attends. Je peux vendre un crochet. J'en ai trois. Ne faites pas attention à moi. Je sais pas, je vais peut-être m'acheter. Malheureusement, vous ne semblez pas avoir les fonds nécessaires. Ah. Revenez quand vous voulez. Oui. Comme si.
Bon, c'est ça. Donc, c'est tout pour ce live. J'espère que vous avez apprécié. Donc, à la prochaine pour un nouveau live. Ciao. Bah, en fait, à demain pour un nouveau live. Ciao. Et kiffez la vie.